Alors, nous voici dans la dernière annexe du musée. Oui. Alors, comment elle s'appelle? Alors, ici, la noce. La noce. Voilà, 1900, ben, la belle époque. La belle époque, tout voilà. à fait. Comme c'était autrefois, avec des costumes d'origine. Oui, des beaux habits. Oui, des dentelles, des broderies, des perles de jais, les femmes toujours des beaux chapeaux. Bah, ça, c'est vrai qu'on s'habillait bien dans cette période. Voilà. Bon, alors ensuite, j'ai vu que derrière tous ces mannequins, il y avait quelque chose d'intéressant aussi. Et ça, ça va faire plaisir à ma grand-mère. La lavandière dans la lumière, voilà. Comme c'est autrefois, avec la brouette, oui, le cuvier, les planches à laver, les battoirs. Les battoirs, oui, voilà. Ça. D'accord, donc quand est-ce que c'est venu cette idée de faire cette annexe? Ah, on l'a fait en 2000. En 2000? Oui, ah, ça en 2000. 17 ans. 17 ans. Oui. 17 ans. Oui, oui. Parce que le musée, ça fait 26 ans. 26 ans, oui, c'est vrai. Ça, on l'avait indiqué dans les épisodes précédents. Oui. Alors, vous avez eu cette collection d'habits comment? Comment ça veut Des vêtements qu'on a recherchés. Des recherches. Des vêtements de famille. De famille. Oui, de mes arrière-grand-mères et puis des dons. D'accord. Alors, juste derrière nous aussi, on a d'autres collections aussi. Les robes de communion. Les robes de communion. Avec les plis religieuses. Et les aumôniers. D'accord, bah, c'est super intéressant. Mais je pense qu'il y a aussi une annexe, une petite pièce supplémentaire qui peut être intéressante. La laiterie. La laiterie. Alors, pourquoi cette pièce est aussi particulière pour toi? Ben, parce que j'ai travaillé 20 ans dans la laiterie à fabriquer les chaours. Les chaours, ça, c'est pour ça que tu en as dédié une pièce. Voilà. Sur... Comment on fait le lait autrefois. Voilà. Donc c'était dans les fermes, c'est ça que tu m'as dit. Dans les oui, fermes. Avec tous les ustensiles de cette époque-là. Donc pareil, tous ces objets-là, ils viennent d'ici. De la région. De la région. C'est typique. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir ouvert les portes du musée et puis d'avoir fait découvrir ce grand musée, trois musées en un. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Aube des Mystères. À très bientôt.